Bonsoir zami Fouti Jodi, ki jan nou ye? Jodi a, Fouti Jodi pote pou nou an resèt ki se chiktay aransò. Ke nou pral montrou koman ou kapab prepare li. Chiktay aransò son resèt ki tre fasil, ayisyen menmen anpil. Ou manje li avèk pen, ou manje li avèk sovle, ou mette spageti. Jodi an, se jodi deside montre nou koman pou nou prepare chiktay aransò. Chiktay aransò, bezwen aransò, tabò. Sa nou tande nou an, chiktay aransò, pwemye sa ap bezwen se aransò. E li fèt avèk zonyon, anpil zonyon, e pwi poavon. Sa nou rele pimant de sa. Ou kapab mete plizyò koule. Piment douce la donne, ça fait le plus belle. Et pour observer avec l'huile, avec bon piment piqué, pour capable faire chic Thaïlande et puis bon acide. Ça aussi, c'est clé pour faire chic Thaïlande à ranso. Si vous n'avez rien, eh bien, vous pouvez faire tout l'autre bagaille sauf chic Thaïlande. Là, je montre les ingrédients. Que vous avez besoin, comme nous sommes dit, que nous avons montré encore dans la vidéo. Ça, c'est tout ça que vous pouvez gagner pour utiliser pour faire chiktay aransò. Si nous regardons là, dans le poivron, nous avons toutes couleurs. Nous avons jaune, nous avons un petit cube de mangi, nous avons poivron jaune abricot, nous avons jaune citron, nous avons vert. Nous avons oranges sucres que nous allons prendre en juin. Nous avons oignons. Nous avons sel que nous avons mis en pincée de sel. Nous avons sauce anglaise. Et puis nous avons vinaigre. Ça, c'est un ressort à peau mélangé avec un ressort simple. Pour les gens qui sont à Haïti, c'est facile de jouer un ressort avec peau. Mais pour aller à l'étranger, je n'ai pas choisi soit aransò à peau ou bien ça qui sent peau. Moi, je préfère servir avec ça à peau parce que il y a un petit jambi du que ça qui pas de peau. Donc, c'est pour ça que je vais garder là, mettre aransò à tremper pour le capable de dessaler et puis pour me retirer peau à souli. Je vais vous montrer encore un ingrédient que j'ai besoin qui c'est vinaigre. On a besoin de vinaigre blanc, on a besoin d'huile, on a besoin de piment piqué, on a besoin d'oignons, on a besoin d'oranges sucres ou bien citron, on a besoin de piment douce, sauf l'eau qu'a mettre tabasco, et puis on a besoin d'un petit cube maggi, ensuite on a besoin de sauce anglaise avec moutarde. Là, regardez, nous gagnons plusieurs qualités poivrons, comme nous te disons, si vous avez seulement verlan, vous pouvez utiliser. Mais si vous voulez le plus bel, puis pour le bien décorer, eh bien, vous pouvez utiliser plusieurs poivrons. Là, quand nous sommes calés à un seul moment, nous dessalons, nous retirons l'eau de l'eau. Quand nous là, nous prenons Rachel pour nous capable de piler. Là nous fin pile li qu'on a nous va commencer faire chiktay là. On regarde là nous mettez chaudière nous chaud. Assurez-nous que l'huile nous bien chaud pour capable on capable frire aransò. Là nous mettez chaudière nous chaud et puis nous vide l'huile là là-dedans. Pas bien que moi-même m'a utilisé plus que 15 aransò. Donc j'ai besoin plus l'huile, plus oignon pour me capable faire. Nous mettons l'huile dans chaud, l'huile là chaud là kounya. Ça c'est un ingrédient que nous fin laver, nous préparer yo, regardez là c'est aransò qui fin piler. Ça qu'arrivé ou racher aransò avec main, ça dépend si aransò pas trop dur. Mais s'il du tout, ou obligé piler pour qu'il vienne sortir fin comme ça. Et puis ou trier petits os qui la donne yo. Après ça, nous avons monté de noix, quantité que nous allons utiliser avec jus de citron ou du moins jus de su
que nous utiliser ou bien vinaigre. Après ça, ça saisonnons avec poivron que nous saute racher un petit dé. Mais ça qu'arrivé ou fait tout long. Ou fait racher oignon tout long, ni poivron ni oignon caracher tout long. Et puis l'huile nous vraiment chaud là parce qu'il faut l'huile nous bien chaud pour nous capable mettre à rançon là dedans. On a nous va mettre à rançon. On va là l'huile nous bien chaud et puis n'a vidé à rançon là dedans pour capable faire. On va là où nous bien bon pour à rançon pour ça nous donne utiliser plus poivron avec oignon. Parce que nous gagnons beaucoup à l'ensor qui nous chauffe. Ensor, nous allons commencer à plier là. Nous quittons là bien fruit. Nous allons quitter bien fruit avant que nous entrions l'autre ingrédient là-dedans. Là, l'ensor, nous allons bien fruit là. Nous allons entrer. Ça, c'est à l'ensor, nous. Et là, nous allons entrer. Joignon avec poivron la donne pour capable bien aussi. OK. Pour capable bien aussi, là nous bien boire à restaurant dans le blanc pour capable bien cuire. Et puis qu'on a là nous va rentrer joignon avec poivron. On commence à rentrer joignon avec poivron, pas oublier que nous devons droit couper dans l'autre sens pour capable couper. Joignons dans l'autre sens, c'est ce qui peut faire un petit jean petit pour être capable de la donner. Même si un petit dé, nous avons découpé, mais ça arrive ou faire en julienne. En julienne, qui veut dire ou faire longue, ou couper la tranche très fine. Donc là, nous avons pris joignons avec poivron qui est déjà découpé. Habillez que ce taille parfaite sans oignon, parfaite sans poivron, parfaite sans l'huile, parfaite sans piment piqué et parfaite sans acide. Là, on a un petit mélange là pour oignon avec poivron qui a bien aussi dans un rançon noir. Nous allons quitter le fond de bouillie. Là, on a bien fait un petit bouillon. On a nous découvert là. On a regardé. Nous voulons rentrer en rien encore là-dedans. Là, parce que nous avons fait un peu de temps avant même que nous rentrions. Et puis, ce que nous avons besoin pour lui, nous voulons rentrer. Et puis, ce que nous avons là. On continue à boire ce lui. On regarde les gens. Il faut confiner aussi là-dedans. On y a là nos brales, rentrer piment piqué. Regardez là, nous faisons piment nous en deux façons. Nous rachetons, nous coupons là avec couteau, ou du moins nous blendons en partie la dedans. Là nous blendons là, les plus bien sorti. Mais ça qu'arrive ou pas décider blender, ou juste racheter piment petit petit, ou mettez la dedans. Donc c'est pour ça que nous faisons deux façons. Nous faisons en partie blender et puis nous faisons en partie racheter à couteau. Nous juste mettez la dedans. Là, on y en a rentré jus d'orange sinon qui mélangé avec un petit jus citron que nous avons rentré la dedans là et qui tout gagne un petit vinaigre tout. Et puis nous rentré cube Maggi noir. Nous va mettre en pile. C'est tout pour pas manger Maggi, on va obligé mettre, mais nous même nous devons mettre un petit Maggi la dedans. Nous mettez. On y a là n'a rentré sauce anglaise. Nous rentré sauce anglaise la dedans. Et puis, on va rentrer mon tod là. Là, on a ces épices qui n'a pas rentré là-dedans là, qui prend le bal goût. Là, pas oublier que nous avons quitté à un son noir avec un bien aussi avant que nous rentrions ingrédients épices. Si vous avez un tabasco, vous pouvez rentrer là-dedans tout et vous mettez un pincée de sel. Parce que nous ne pas mettre un peu de sel pour tout ça, parce que à l'instant déjà le sel, bien que nous avons des salines,
mais faut contrôler l'eau mettre celle là dedans puisque c'est à rançon son bagage qui salé. Donc là nous je sens un pincé de sel, c'est pour poil de gens qui bagage encore n'a pas ajouté. On continue à boire sel et puis nous pas quitter le continuer bouillir. On va quitter le continuer bouillir. OK, là nous va couvrir. On va continuer bouillir pour épice capable bien rentrer là-dedans. La rouna nous va découvrir, soit bien déjà, il est vraiment il y a un bon odeur qui a dégagé là-dedans. Il y a un bon piment piqué qui a bien aussi là-dedans. Et puis on va regarder pour elle, il y a tout ingrédient que nous avons mis. Il est vraiment il y a un bon sens, il y a un bon piment qui est répété là-dedans. Qui a tant ba nous envie de manger là. Et qui nous met un piment piqué tout qui est très piqué là parce que pendant que je découvre là, il me fait tousser tellement piqué. Ou pas capable de mettre bon piment dans le chitaï parce que le chitaï est parfait sans piment. Donc ou pas capable de faire le chitaï pour ne pas avoir un bon piment piqué là dedans. Donc pas nous là, il est vraiment senti bon. Il est vraiment bien bon piment piqué là-dedans, que nous avons blindé, que nous avons lâché, mettez là-dedans. Donc, on y a là, il est presque bon. On a nous fini avec le travail. Je suis que ta langue est bon. Nous présentons la dernière partie. Si vous êtes capable de manger là, si vous voulez manger là avec pain, ou vous voulez manger là avec spaghetti. Ou manger avec n'importe ce que vous voulez, dépendamment de où, mais d'habitude, vous servez chita en fête comme rentrée. Dans le commencement fête là, vous servez avec un petit pain. Donc, si vous voulez, si vous avez fait la caillou, il est important pour mettre chita là-dedans avec pain pour capable servir mon yo. Parce que les mon yo a petit gros yo. Il y a vraiment remé chita là parce que il y a un bon piment, bon acide. Cap intéressé moun nan fèt la. Donc ça c'est travail noir que nous fin réaliser. Nous présentons li, ça c'est chic tay noir, chic tay aranso que nous présentons que ou ka manje avec sorvli. OK? Donc nous di déjà merci d'est-ce que ou t'as suivi vidéo noir et nous di abonné avec channel noir. Pour capable toujours gagner l'autre recette que n'a porté pour. Merci. À bientôt et ciao ciao.